Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message. Eh bien, le message de la sagesse des anges, ce beau tarot du mardi 9 avril 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, eh bien, cette petite philosophie du matin, première méditation, restez quelques minutes supplémentaires dans son lit, allongé sur le dos, inspirez et expirez lentement en ayant conscience de chaque mouvement de respiration. Se vider la tête et ne plus penser à rien pendant quelques instants. Ainsi s'offre-t-on sa première méditation de la journée. Voilà pour la pensée positive de ce matin. Aujourd'hui, j'ai pigé le rêveur, c'est une lame majeure. Et on peut voir que il est marqué dans le fond de la carte Mai, et c'est l'archange Métatron, notre bel archange qui a été un être humain avec son frère. Alors si vous avez besoin de mieux gérer votre temps, eh bien, l'archange Métatron vous sera utile. Demandez-lui de vous aider. Il est capable de contrôler le temps. Il aide, eh bien, à respecter les délais ou à arriver à l'heure à un rendez-vous, bien qu'on soit parti en retard. Il est aussi connu pour protéger eh bien, les enfants et les personnes très, 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 très sensibles. Et la signification de son nom est obscure. Et en fait, la couleur de l'archange Métatron, c'est un mélange de violet et de vert. Ce bel archange Métatron. Alors, j'ai pigé le rêveur. Le rêveur, c'est un nouveau départ pour certains d'entre vous. On vous demande de vous faire confiance et on vous demande aussi d'ignorer vos peurs et de vous lancer. À vos marques, partez. C'est le commencement. Ou peut-être un nouveau départ pour vous. En fait, le rêveur, eh bien, est une lame de foi. Il représente la naissance de quelque chose de neuf. Alors, le rêveur, eh bien, s'incarne dans une nouvelle vie, mais le sens de la lame est symbolique. Il peut s'agir d'un nouveau partenaire amoureux, comme d'un changement de carrière ou d'un éveil spirituel qui changera votre façon de voir le monde. Alors, l'énergie de cette lame, elle vous demande de croire en vous, de croire, eh bien, en l'amour du divin pour vous et en son désir de vous voir heureux. Elle vous demande aussi de vous détacher de ce qui vous empêche de réaliser vos objectifs de vie ou de nourrir vos passions. C'est-à-dire que on vous demande de faire un lâcher-prise sur tout ce qui n'est plus utile, sur ce qui est des peccadilles, pour pouvoir avancer. Un lâcher-prise sur ce que vous ne savez plus rien faire. Et si vous le faites, eh bien, rien ne pourra plus se mettre en travers de votre chemin. Et c'est ainsi que vous pourrez réaliser vos rêves. Il n'y a plus rien qui vous empêchera de les réaliser. Mais maintenant, on vous demande de faire un lâcher-prise, de vous détacher de peut-être de certaines choses,
de certaines personnes pour pouvoir avancer. Parce que là, avec ce non-détachement, vous stagnez, vous faites du surplace. Cette carte, cette lame de rêveur, eh bien, elle peut indiquer vraiment un nouveau départ. Elle peut indiquer aussi un nouvel amour. Vous pourriez rencontrer une personne sentimentalement. Vous pourriez aussi voir un changement dans professionnellement. Peut-être que vous allez changer d'endroit. Peut-être que vous allez monter en grade. Peut-être ou tout simplement que vous allez vraiment totalement changer de boulot. C'est une belle carte qui est positive, n'est-ce pas? On va le dire comme ça. Donc, demandez à ce bel archange Métatron de vous aider. Et je termine par l'affirmation positive. Je m'apporte, eh bien, tout l'amour et la douceur dont j'ai besoin. Je m'apporte tout l'amour et la douceur dont j'ai besoin. Très belle lame encore aujourd'hui, vraiment. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.